Voilà, bonjour à tous. On fait la suite du chapitre 9 de Thracia. Et donc, on était envahi par toute cette armée avec nos quatre pauvres unités pas terribles. On va voir ce qu'il fait Alva. Non, Alba. Ah, ils veulent que je les utilise, hein, on dirait. Ils font des crits et tout. Et Klein. Non, Kane. En fait, c'est Kane. C'est Kane et Abel, c'est la. C'est un peu triste parce que c'est les cavaliers rouges et verts de ce jeu, c'est-à-dire le rapide et le fort. Mais voilà, ils valent pas grand-chose. C'est triste. J'espère que tu le tues pas et que tu te fais pas toucher, voilà. Merci de pas le tuer, c'est ce que je voulais. Voilà, comme ça ils s'amassent tous là-devant. Et nous on va pouvoir leur porter secours avec le reste de notre armée, mais il y a encore ces deux dragons qui me font peur malheureusement. Donc, toi ça devrait aller. Voilà, hop. Bim. Ah, j'ai bien fait de lui donner Wrath. Niveau 9. HP, speed. Et la KP, ça speed. Toi, tu vas le démonter, je pense. Quoi que t'as pris cher, hein. Gagne de la défense, de l'esquive, de la chance. Ouais, de la vitesse, c'est pour l'esquive, c'est bien. Et maintenant ça va chier. Ne fais pas de critique, s'il te plaît. Merci. Ouh, une belle esquive, merci. Du coup, on va pouvoir se défendre avec Robert. Et ne fais pas de critique, s'il te plaît. Ne te fais pas toucher aussi. Merci. Ouf. Putain, je crois Alba, il veut vraiment que je l'utilise. Mais ce sera malheureusement pas le cas. Désolé Alba. Tu restes mauvais. Esquive, bien. Esquive. Ça devient dangereux. Mais je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui peut l'atteindre. Ah oui, c'est bon. Alors, safe state. La priorité, c'est ces chevaliers dragons. Un coup. Seulement un coup, ouais, t'es vraiment nul, toi. Robert, je suis désolé, mais toi, t'es vraiment nul. C'est pas moi qui peux bouger, elle. Enfin, lui. Ah, il y a un petit problème maintenant, c'est qu'il faut absolument que quelqu'un surveille ça. Donc, tu vas wait ici. Ma foi, Selphina. Tu vas ici. Eh, tu vas te prendre des coups de lance. Mais au moins comme ça, il n'y en aura qu'un seul qui te viendra dessus. Et puis toi, à la limite, tu peux tuer lui. Est-ce qu'il a une arme bien? Non, il a une iron. On n'osera pas les capturer, malheureusement. Allez, Kane. Merci. Nous, on va se dépêcher de les rejoindre pour les aider, si possible. Nana, tu peux attaquer lui avec l'épée standard cette fois. Niveau 11. HP, speed, défense, build. Bien. J'ose pas trop bouger Karine parce que voilà, il y a les archers donc tu vas te contenter d'attaquer celui-là. J'ai pas vu s'il avait un arc intéressant. Non, un Iron Bow, c'est un peu nul. Et tu peux te casser dans les montagnes. Maintenant que je lui ai donné le leg ring, c'est la folie.
Fergus, mon cher Fergus. J'ai confiance en tes capacités à le one shot, enfin le one round. Voilà, one shot même. Par contre, tu vas reculer un peu. Tu vas te mettre dans les buissons par exemple. À côté de ta waifu Karine. Orsine, ben, tu avances. Tania, tu peux venir. Carion aussi. Et Shiva, nous n'avons pas de race. Nous faisons une safe state et tu fais la reine. 850 les Kukemo Jibus Fof Bro. Ching Chong Zda Urrin Ching U Ching Chong Lf Pnela. Ouais, bon. Go. Écoutez la petite musique. FE3. Bref, je sais pas la chanter. Bravo! Et maintenant la mascotte. Shiva. Ouf! Il va avoir besoin de heal. Niveau 7. Skill, chance. Voilà, on a gagné 1700 balles, comme ça on s'enrichit un peu. On va le laisser là jusqu'à la fin. Alors, Selfina, esquive s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Et donc du coup, la seule danger qui reste encore, c'est que ce putain de dragon là pourrait me faire un critique. C'est vraiment la seule chose. Et donc... pas un critique, c'est bon. On a réussi. Non, on n'a pas réussi parce que... oh, putain, ça fait que de s'enfuir. Et en plus, je peux pas faire partir Selfina comme ça parce qu'il faut que elle parle à Carrion pour l'épée. La fameuse épée. Ah, mais ils peuvent se régénérer là-dessus. Ça, c'est bien. Ok, du coup... comment on va faire ça? Toi, tu te caches dans le buisson. Toi, tu te mets là-dessus. Tu attends. Toi, tu remontes à cheval. Tu attaques lui, par exemple. Merde. Non, toi, je préfère que tu restes là et que tu te défendes. Toi, tu montes. Il y a encore un archer, c'est ça le problème. Ah oui, mais tu peux... est-ce qu'il peut attaquer là? Non, il peut pas. Donc, tu peux attaquer lui. Pas avec la slim, avec la short peut-être. C'est juste pas assez, même si t'as des chances de faire Wrath, donc la steel. Et j'aimerais bien que... Fergus, t'as une potion? Non, mais, oui t'en as une, mais... tu peux aller jusqu'où, Nana? Jusque là?
Allez. Ah, il y a une souris. T'as une potion, toi? Sûrement. Voilà. T'as encore qui visite les magasins qu'il y a là aussi. On est contre des lanciers en principe, principalement. Hein. Ouais, que ça en fait. Du coup, Carrion. Short? Non. Style? Ça suffirait pas non plus. En fait, je vais te faire rester avec ces deux. Et tu prends une potion. Tu gardes la style. Je sais pas si c'est prudent ce que je fais, mais bon. Et toi, on a dit c'était trop dangereux. Et puis Leif, finalement. Esquive, s'il te plaît, Robert. Bien. Donc de ce côté-là, c'est déjà bon. Maintenant, le problème, comme d'hab, c'est ce dragon. Carrion. Carrion, j'aime pas voir ça du tout. C'est bien. Voilà, un mort. Carrion, j'ai peur pour toi. Esquive. Bien. Ne te prends pas un critique, c'est tout ce que je te demande, voilà. Tu peux même le tuer, si tu vises bien. Du coup, il va nous se casser dans les montagnes, c'est ça? Exactement. Esquive. Voilà. Esquive, c'est bien. C'est bien, on y arrive, on y arrive. Je suis fier de moi, en peu de safe state en plus. Et il a augmenté sa défense. Ok. Alors ici, Selfina va rester là parce qu'elle a toujours low HP, là. Elle peut pas atteindre ce chevalier dragon de toute manière. Puis en fait, il nous reste deux archers à nous occuper. Alors déjà, toi je te mets avec la Iron. On va quand même faire la save, hein, parce que j'ai toujours peur. Leif, il est temps d'utiliser ton Armor Slayer, ça faisait longtemps. Voilà. Bon, il est trop haut level par rapport aux autres, donc il gagne plus rien. Toi, tu vas enfin faire quelque chose, je suis désolé. 15 moins 6, 9, vas-y. Esquive. Bien. Critique. Magnifique. Niveau 9. Non. Un heal sur un des deux. Qui a le plus de potions? Les deux ont le même nombre. Bah écoute. Soigne Fergus. Parce qu'en fait, spoiler, Fergus, c'est bien possible que ce soit ton cousin en fait.
Parce qu'en fait, c'est pas vraiment du spoil, parce qu'ils le disent à la fin du jeu de toute manière. Mais sachez que et Fergus s'est révélé comme le fils illégitime, enfin le fils bâtard de Beowulf. Et le truc, c'est que le canon veut que... Comment elle s'appelle? La Caissis? Elle est couchée avec... avec Beowulf avant d'avoir couché avec Finn. Mais du coup, dans mon canon, ça correspond plus parce que Beowulf est mort. Enfin, il a peut-être fait ses enfants avant de mourir. Hein, mais... C'est un peu glauque ce que je dis. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que on va voir un truc. C'est, est-ce que l'archer peut... Oui, il peut attaquer... Bon, c'est pas grave. Ce que je pourrais faire, en fait, vu qu'il y a des archers partout... C'est... Merde, il a plus d'épée. Oh merde, ils vont la capturer, je crois. Ah, je suis con des fois. Arène. J'espère que ça se passera pas trop mal. Un mercenaire avec une silver axe. Non, une silver sword. Esquive. Ok, tout s'est mal passé. Donc tu n'affrontes pas lui. Tu affrontes le suivant. Un ex-knight, c'est mieux. Ouais, par contre, si tu touches pas... Voilà. Hop. Tout c'est solaire pour rien, mais c'est pas grave. Voilà. On gagne plein d'argent. Et maintenant, c'est la merde pour Karine. Robert. C'est con ce que je fais en fait. Bon, ça va. Il a assez bien résisté à lui. C'est le final en fait, tu peux faire ça. Et ensuite, tu reviens ici. Mais on n'a pas gagné. De loin pas. Donc Karine, ils vont la capturer, je sens. Fais pas un critique, fais pas un critique, fais pas un critique. Merci. Merci. HP, force, vitesse. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et c'est ce qui m'embête parce que du coup ils vont capturer tous les objets. Mais heureusement, on a des gens en qui on peut avoir confiance pour recapturer quelqu'un comme ça. Esquive. Par contre, Carrion, s'il te plaît, ne meurs pas. Esquive le 31%, s'il te plaît. Merci. Niveau 6. HP, force, skill, chance. Alors, recapturer lui. Enfin, capturer. T'as beaucoup de vie, oui, t'as... Ouais, t'as assez. Donc, tu vas avec la Brave.
Ouais, t'as 100% des chances de toucher. Facile. Heureusement que t'existes, Fergus. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ça, toi, tu peux. Non, on va d'abord essayer de tuer les autres, en fait. Donc, toi, tu te venges de ces putains d'archers qui t'ont emmerdé jusqu'au bout. Avec l'épée cette fois. Ou bien avec la style. Avec la style. Et ces paramètres d'encodage sont vraiment bien. Vous avez remarqué, j'ai eu zéro lag. Je suis vraiment content. Je les ai trouvés au bol sur internet et en fait c'était expliqué que c'était que pour faire du local recording ce que je fais. Plutôt que du streaming, les paramètres que j'avais avant. Tu peux te mettre là. Ouais, mets-toi là, vas-y. Karine, du coup. Non, on va d'abord faire le reste. Donc toi, tu peux attaquer. Lui. Avec le steel bow. Un petit critique. Esquive. Non, rien du tout. Boogie, non, Iron. Dave, tu t'en fais un. Oui, par contre Karine, c'est dommage, elle peut pas s'en faire un du coup. Parce qu'elle a plus d'épée. Bon, c'est pas grave. Tu trades, tu reprends tout. Tu peux donner un item à... Ah, dommage, Nana est pas à côté de toi. Toi, t'as de la place. J'aimerais bien lui prendre et le drop, mais le problème c'est qu'il y a cet archer, et si elle monte sur son Pégase, elle mourra. Continue l'arnaque. Direct un critique. Et un petit solaire histoire de te régénérer un peu. Parfait. 1600 balles. Ah, on va enfin pouvoir tuer ce maudit dragon. Et peut-être même qu'à deux, vous arriverez à tuer cette armure. Level 2. Robert. Toi aussi tu cherches à m'impressionner pour que je t'utilise. -8, ça fait 4. Non. 6, pardon. Bah tu peux te mettre là, comme ça. Alba il vient. Ah bah non, il peut pas. Esquive, s'il te plaît, esquive, un 37, tu peux le faire? Oui, merci. Et Leif, ce sera bon. Voilà.
On arrive bientôt à la fin du chapitre, mais on a encore toutes les maisons à visiter en fait. Et on a des tocs à faire aussi. Moi je dis on commence par ça. On va visiter la maison en fait. Hey, vous avez l'air... t'as l'air pâle mon gars. J'ai juste ce dont tu as besoin, un S-drink. Quand tu te sentiras fatigué, ou trop, ou que tu as trop travaillé, alors bois-en un. En un clin d'œil, tu te sentiras beaucoup mieux. Si vos troupes sont trop fatiguées d'aller sur le champ de bataille, vous pouvez leur donner un S-drink. Et ils iront bien. Tenez, je vais vous en donner un échantillon. Tara est le seul endroit dans les environs qui peut vendre des S-drinks. Alors vous feriez bien d'en acheter autant que vous puissiez. S-drink! Franchement, ce mec à chaque fois il me fait penser comme si c'était une pub. Alors je sais pas si j'ai bien retranscrit cette sensation. Lui il est trop lourd. Toi t'as trop d'XP life, je vais arrêter de te donner des kills. Tania, fais-toi de l'XP toi. Voilà. Niveau 9. Niveau 9. J'aimerais surtout que tu gagnes des rangs en arc aussi. HP, force, tout ça, speed, luck. Non, toujours pas gagné un truc en arc. Toi, tu seras pour Carrion, je pense. Bien Karine, peut-être. Pour se venger. Bah oui, vas-y, Karine, venge-toi. Et puis Carrion pourra le finir, à moins que tu fasses Wrath. Et voilà, t'as fait Wrath. Ok. Leif va visiter les... Non. Non, ça sera Karine qui va aller visiter les magasins, en fait. Alors, maintenant, Carrion. Tu as quelque chose à dire à Selfina, n'est-ce pas? Ou alors c'est elle. C'est toi. Hein? Ah mais c'est Robert, quel con. Ok. Alors on recommence. Tu vas jusqu'où, Carrion? Jusque là? Parfait. Donc Alba dégage. Carrion. Je suis revenu, Lady Selfina. Ah, Carrion, bon travail. Eh bien, je ne peux qu'aider dans des situations pareilles. Je fais de mon mieux pour devenir un bon chevalier, comme Sir Glade, et d'être d'une quelconque utilité à Lord Leif. Je maudis mon manque de force, de puissance. Carrion, ne vous précipitez pas. Vous ne feriez qu'y perdre votre vie de cette manière. Oh, et je suppose qu'il est temps de vous donner ceci. Une magnifique épée. D'où vient-elle? On la nomme la Elite Sword. Votre mère m'avait demandé de vous la donner lorsque vous seriez devenu un chevalier. Ma mère? Oui. Vous étiez encore jeune lorsqu'elle est morte de maladie. Elle m'a dit que c'était l'épée que votre père avait utilisée pendant ses belles années. L'épée de mon père, un chevalier de Leinster. C'est exact. Utilisez-la avec intelligence. Oui. Merci, Lady Selfina. Et donc, c'est un peu con que je lui ai donné la skill...
Ouais, je vais mettre physique parce que il y a un truc que je vais vérifier. C'est un peu con que je vais donner la skill élite parce que c'est pas une épée. Heureusement, c'est pas une épée personnelle parce que voilà, je suis même pas sûr qu'on puisse cumuler les deux avantages. Donc voilà. Ah, il y a quand même du lag un petit peu, mais moins qu'avant. Prince, je vais m'enfuir en premier. Faites attention à vous. Je sais pas, il a l'air sympa, il a une bonne tête et tout, il a l'air mauvais et tout, mais non. Il est nul, c'est dommage. Toi, tu vas aller là. Leif, évidemment, tu pars le dernier. Ah, tu peux parler à Selphina aussi. Écoutez, la musique est trop bien. Lord Leif, c'est si bon de vous revoir à nouveau. C'est moi, Selphina. Selphina, c'est vraiment vous. Lord Leif, c'est la vérité. Ce n'est pas un rêve. Vous avez tant grandi. Autrefois, vous étiez si petit. Vous dormiez sur mes genoux. Oh, Selphina. C'est moi qui va commencer à pleurer. Je pensais que vous et Dorias aviez été tués pour moi. Je n'aurais jamais pensé vous revoir à nouveau. Je n'ai aucun souvenir de ma mère ou de ma sœur. Alors j'ai pensé à vous et à la Cassis comme des mères. Non, non. Et du coup, j'ai pensé à la Cassis comme à une mère et à vous comme à une sœur. Lui, il a un manque affectif. Hein. Tout le monde est sa mère ou sa sœur ou son frère. Bref, je me souviendrai toujours d'être si embêté par vous. Non, avoir été si embêtant pour vous. Non, vous n'étiez pas comme ça du tout. Est-ce que Lady Lachesis? Non, elle n'est pas revenue d'Isaac pour l'instant. Je vois. Ça veut dire qu'elle n'est pas morte dans la bataille de Belala? Elle a été à Isaac, d'accord. Je vois. Ne vous inquiétez pas, Lord Leif. Je suis sûr qu'elle va bien quelque part. Nous avons pu nous revoir. Alors nous reverrons Lady Lachesis un jour aussi. Tin, 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 tin. Cette musique. Nana, est-ce que t'as quelque chose à dire à quelqu'un? Non? Bah, entraîne-toi au bâton pour l'instant. Bref, je me tais. Augmente ton niveau de bâton, s'il te plaît. Non, toujours pas. C'est pas grave. Orsine, tu n'as plus rien à faire ici. Shiva. On va vite voir ce que tu peux trouver dans ce magasin. Des potions, des torches, Thunder, des tomes de Thunder. Ouais, mais ça nous grillerait tout d'un coup, puis les S-Drinks qui coûtent cher, donc voilà. Pendant ce temps, ce que tu peux faire, c'est que tu peux nous faire gagner de la thune en faisant de l'arène, en attendant que... J'allais dire Erin, mais c'est pas Erin, c'est Karin. Ils finissent tous par In. C'est bon, j'avais pas vu qu'il lui manquait des vies. Pendant que Karin visite les maisons au nord. Voilà, 1800 balles, 1820 balles. Alba, tu vas pouvoir te faire soigner, donc tu restes. Selphina. Lord Leif, nous ne devons pas traîner ici pendant trop longtemps. Dépêchez-vous. Oh, c'est bon, il n'y a plus personne. Toi, tu vas te faire soigner. Toi aussi. Tania aussi. Et Robert, tu peux rentrer. Alors, Karin. Le magasin, qu'est-ce qu'il y a? Ok, des armes standards, même des styles, mais on n'a pas assez d'argent. Un entrepôt.
On n'a pas besoin maintenant. Et puis une maison qui va nous donner quoi? Êtes-vous les amis des résidents du manoir? Tenez, j'ai trouvé ça dans les montagnes l'autre jour. Ça doit leur appartenir. Pourriez-vous leur redonner ceci, s'il vous plaît? Et nous obtenons le Fala Scroll. J'ai la page web sous les yeux, alors je peux vous dire ce qu'il fait. Il augmente la force, la magie, les skills et la vitesse. Donc pour l'instant, on le met à l'entrepôt parce qu'on n'a plus avoir de combat. Mais ce sera certainement à mettre sur quelqu'un. Ha! C'était facile. Toi, tu dois être soigné, toi aussi. Allez, Nana, soigne Alba. Jessica de son prénom. Je vais juste remettre OBS pour voir où on en est. Ah, on a dépassé le temps imparti. Bon, c'est pas grave, on aura dépassé pour les deux épisodes un petit peu. C'est pas comme si c'était la première fois, n'est-ce pas? Nous ferons mieux la prochaine fois. Je suis désolé pour toi, t'as l'air sympa, mais il n'y aura pas de prochaine fois. J'ai des unités meilleures que toi. Ne pleure pas. Robert. La prochaine fois, nous ne perdrons pas. Même commentaire. Mais je t'aime bien, hein. T'es sympa. Carrion, Fergus. Safe state. Un mercenaire. Avec une épée. Faut que t'esquives. Ah ben non. Prends une potion en fait. Pas un stamina drink. Oui, et puis j'ai oublié de vous parler des stamina drink parce que j'ai été trop attardé sur le fait qu'ils en parlaient comme d'une pub. Mais les stamina drink vous permettent donc d'annuler toute la fatigue d'une unité. Donc... si vous tenez vraiment à déployer quelqu'un... dans un chapitre, ce qui peut arriver, hein, vous pouvez lui donner ça. Mais je vais pas en acheter en plus parce qu'en fait, il y a un chapitre où on peut s'en faire des masses. Mais ça va ou bien? Donc pas lui. Avec du vent. Oh merde, il a énormément de chances de toucher. Ouh, belle esquive. Esquive. Bon, ben il fait des esquives à... aussi haut pourcent. Faut croire que ça arrive pas que aux ennemis, mais il y arrive pas quand même. Load. Alors pas lui. Pas lui. Le troisième, j'espère qu'il sera bien. Qu'il sera faisable. Un cavalier merc avec une style quoi. Une style sword. Esquive. Mais non. Mais... Alors, c'est pas le premier. Allez, dépêche-toi. C'est pas le deuxième. C'est pas le troisième. Est-ce que c'est le quatrième? Oui, un Axe Knight, ça c'est mieux. Esquive. Bien. Non mais par contre faut toucher après, hein, monsieur. C'est toujours quand tu fais solaire que tu commences à t'exciter pour de vrai. Niveau 8. Force, skill, speed, luck. On commence vraiment à avoir une bonne speed. Alors toi tu descends, tu vas chercher
machin là. Comment il s'appelle déjà? J'ai un trou là. Shiva, merci. Comme la divinité. Toujours rien en bâton. Nana. Je dois m'enfuir en premier. Pardonnez-moi. Fergus, c'est bon. Tu dois encore te faire soigner. Et Tania pourra atteindre le truc en un coup, donc ça ira. Toi, tu fais la reine. Une axe armor, ça devrait aller, ça. Tu vas esquiver? Non? Merde, une lance armor, ça je... J'y crois pas trop. Esquive? Non. Alors, pas le premier. Pas le deuxième. Et le troisième alors. Un Axe Knight de nouveau. Bon, j'espère que celui-là tu peux le gérer. Esquive. Bravo. Voilà. Et on commence à avoir pas mal d'argent, on va bientôt atteindre les 10 000 de fonds. Karine, tu viens. Tu peux soigner Fergus, ton cousin éloigné. Niveau 12. Skill, speed, luck, défense. Toi aussi, bientôt tu vas pouvoir changer de classe. Donc, toi tu peux rentrer. Ah, on connaît déjà ce qu'il dit, lui. Une axe armor, cette fois tu le fais. Eh ben non. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'ils ont des pourcentages si hauts de pouvoir me toucher. Un mage avec Thunder. Ouh, là tu peux l'avoir. Ouais, là tu vas l'avoir. Parfait. On est à 8000 balles. On a 44 minutes. Et toi tu rentres. Lord Leif, que faites-vous? Enfuyons-nous d'ici. Enfuyons-nous de quoi? Le pays est à nous maintenant. Donnez-moi un dernier coup d'arène et ensuite Karine te ramassera.
Un cavalier avec une Silver Sword, c'est tendu ça. Esquive. Non. Mais si c'est pas le premier, c'est le deuxième peut-être. Non. Pas toi, le deuxième j'ai dit. Un Wind Mage. La dernière fois tu l'as fait je crois. Non c'était le mage de foudre. Ah oui t'avais fait des esquives incroyables mais t'avais pas réussi à tuer au final. Esquive. C'était juste. Niveau 9. Force, skill. J'ai combien d'argent? J'ai pas regardé. 8930. Très bien. Donc tu le prends et on y va. Ah, là il fait besoin de soins aussi. Bon par contre j'ai pas mal gaspillé les bâtons. Toujours pas gagné de rang. Double heal. Et toujours pas gagné de rang en bâton, mais bon, je pense que ça va pas tarder à force. Karine, t'as toutes tes vies, ok. Bon, en fait, tu peux l'aider. Et. Ah non, tu peux pas t'enfuir du coup, bon, bon, enfin, deux en un. Et, il reste plus personne. Non, c'est bon, plus que Leif. Dorias, Lord Leif, vous êtes sauf. Vous avez tant grandi. Tout ça, c'est grâce à vous et à Finn. J'ai pu vivre grâce à vos sacrifices. C'est un honneur, Lord Leif. Eh bien, on dirait que je suis plus enclin à fondre en larmes avec mon âge, avec l'âge. Non, vous êtes encore jeune. Dorias, votre bras droit, qu'est-il arrivé? Ceci? Oh, ce n'est pas si grave. J'ai été pris par surprise dans la bataille d'Alster. C'est embarrassant, vraiment. À Alster? Alors vous avez été blessé en me permettant de m'échapper? Je suis désolé. Tout ça à cause de moi, vous? Non. Je vous en supplie, ne vous inquiétez pas. Un vieil homme comme moi... ne vous sera plus de grande utilité de toute manière. Et puis il y a plus important, Lord Leif. Nous devons nous dépêcher si nous voulons aller à Tara. D'après la lettre de Glade, l'Empire est sur le point de lancer une attaque de grande envergure. Maintenant que nous avons rassemblé les héros sous la bannière de Nova, flotter le drapeau du nouveau royaume de Leinster et de la Thracia du Nord libérée. Pour commencer,
Nous devrons nous occuper des soldats stationnés dehors. À ce propos, quelque chose est étrange. Il semble avoir arrêté de nous avoir attaqués. C'est étrange, en effet. Eh bien, nous ne pouvons rester ici. Je vais sortir et jeter un œil. Veuillez patienter ici. Eh bien, cet homme avait raison. Il semble avoir arrêté d'avancer. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que c'est? Un chevalier dragon? Elle dit quelque chose à l'armée thracienne. Rapport à toutes les troupes de Thracienne. Ici la princesse Altena qui vous parle. Une information urgente vient d'arriver du général Hannibal. Les gens occupant ce manoir ne sont pas des bandits. Ce sont des mercenaires que le général Hannibal a lui-même engagés pour protéger le peuple dans cette zone des attaques de bandits. Arrêtez votre attaque et retirez-vous immédiatement. C'est un peu bête parce que j'ai tué tout le monde. Bon, voilà, merci de m'avoir suivi. À la prochaine.